Bonjour, bonjour. Pour ce nouvel épisode des Carnets de Julie, je vous propose de visiter deux régions, ou plutôt deux pays, comme on disait autrefois. Il y aura d'abord le Libournais, avec Pomerol, Saint-Émilion, Fronsac, des noms tellement célèbres qu'on en oublie que ce sont au départ des villages, avec leur histoire, leur patrimoine et leurs recettes traditionnelles. Alors le Libournais, c'est là-bas, mais là pour l'instant nous sommes de l'autre côté de la Dordogne, dans l'Entre-deux-Mer. On est à Cabara, un très joli village, où moi j'ai rendez-vous avec Alain Trimoulet, qui fait un métier qui est très apprécié des connaisseurs et des gastronomes ici. Il est pêcheur de l'emploi, je ne vous en dis pas plus. Il y a eu beaucoup de monarques qui étaient très friands de l'emploi. D'abord Jules César, puisque sa consommation remonte au moins à l'Antiquité. Et ensuite Henri Ier, Henri Beauclerc, qui était le roi d'Angleterre au XIIe siècle. Et ce fameux Henri Beauclerc est mort d'une indigestion de l'emploi. Alors on ne sait pas si c'est parce qu'il en avait trop mangé ou si c'est parce qu'elles étaient avariées. Quoi qu'il en soit, sa mort a permis à la dynastie des Plantagenets, les célèbres Plantagenets, de s'installer sur le trône. Et depuis, tous les descendants des Plantagenets, y compris la reine d'Angleterre aujourd'hui, célèbrent la mort du pauvre Henri Beauclerc en mangeant des lamproies une fois par an. Une lamproie qui fut donc à l'origine de deux guerres de 100 ans, puisqu'Henri de Plantagenet prit pour épouse Aliénor d'Aquitaine, mettant du même coup l'Aquitaine sous domination anglaise pendant 3 siècles. Un poisson historique. Pas besoin d'aller au bout du monde pour trouver un bout du monde. Hein. Bonjour Alain. Bonjour. Ça y est, vous êtes prêt à partir? Ah, ben c'est pratiquement prêt. Vous avez 2 heures le temps que je descende votre escalier, là? Ah. Hop, hop, hop. Marchez bien sans les taquets, voilà. Oh là là, c'est beau votre endroit. Hein. Oui. Hein. C'est une belle planque. Hein. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous êtes en train de quoi? Arrêtez de regarder, ça tombe bien, c'est pratiquement fini. Ah d'accord. On est prêt à partir. Génial. Et vous partez toujours à cette heure-là dans la journée ou quelquefois c'est au petit matin? C'est en fonction des marées. Et comme il y a 2 marées par jour, et bien vous avez une marée de jour et une marée de nuit. Je voulais que vous m'aidiez, merci. Eh oui, c'est ça, hein, la parisienne. Alors cette lamproie, c'est un vieux poisson, non? Oui, c'est un poisson qui date de la préhistoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la lamproie, ils sont nombreux. C'est, en fait, ça ressemble un peu à l'anguille, c'est une sorte de gros serpent, hein, faut pas avoir peur des mots. Oui. C'est assez moche. Nous, on trouve ça joli, si vous n'avez jamais vu trop ça moche. Eh ben, vous verrez ça dans quelques minutes, vous pourrez décider. Moi, j'ai quand même, je trouve ça très bon, mais un peu moche. La beauté, c'est subjectif. C'est exactement, et le goût aussi, d'ailleurs. Hein. Bon, alors, on va la pêcher, cette lamproie. Allez, on est parti. Pourquoi on pêche ici? Sur la Dordogne, on ne peut pas mettre un filet n'importe où. Ouais. Il y a des endroits précis. Ouais. Et cet endroit, ça s'appelle un lan. Un lan, d'accord. Et pourquoi? Ça veut dire quoi? Non, touche à rien. Mais pourquoi spécialement ici? Ah, mais parce que c'est les vieux, autrefois, les courants, si vous voulez, portent pas partout pareil. Alors il faut un endroit où le courant, si vous voulez, sur une distance, que le filet puisse se porter droit. Faut pas que vous, dès que vous les mettez à l'eau, qu'ils se mettent. Et voilà. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a choisi des endroits spécifiques. C'est un endroit où, en fait, on a l'eau de la mer qui remonte et l'eau de la rivière qui descend, c'est ça, quelque chose comme ça? L'eau descend. Et après, elle va remonter, au moment donné, elle est étale. Ça s'appelle le landmark. D'accord. La lamproie, le sens. Ah oui. Cette eau qui arrive de la mer. Et hop, elle démarre. Et c'est là qu'on les attrape. Et les filets, vous allez les lever quand, alors là? Eh bien, on va relever quand l'eau va commencer à remonter. Dans combien de temps? Oh, là, pas longtemps, là. Il y en a pour 1 quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, c'est rapide, rapide. Ah, le landmark, oui. Ah, bien regardez, on va en avoir attrapé une, je pense. Je vois là-bas que ça danse. Il y a un poisson, je sais pas ce que c'est, mais il y a un poisson. Ah, hop, juste à côté. Ah oui, ça y est, j'ai vu. Allez, on remonte la fiche. Je peux essayer quand même? Allez, si vous voulez. Alors. Vous allez vous mouiller les mains. Ah ben, j'ai des moufles. Comme ça. Allez-y. Ça va, hein? Je fais à peu près ce qu'il faut? C'est bon, je vais vous empocher. En voilà une, regardez. Ah! En voilà une, regardez. Aïe, 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 ouais, c'est très étrange. Donc ça, c'est sa ventouse qui lui tient lieu de mâchoire. Voilà. Et ça se colle contre les poissons. Et même contre moi. Oh, mais voilà. ça vous fait pas mal? Non. C'est un poisson vampire, en fait. Oui, c'est un poisson vampire, oui. Il se ventouse comme ça avec la bouche sur des autres poissons. Oui. Et c'est pour se nourrir, c'est pourquoi? Pour se nourrir et pour se faire transporter. Alors, sur les gros poissons, les cachalots, Ah les baleines, les trucs comme ça.
deux ensemble. Ah, il y en a une autre encore après, trois. Non, et c'est une belle pêche, ça, non? Vous avez porté chance ou quoi? C'est pas un banquet qu'on va faire, c'est le festival de la lamproie. En voilà une autre. Encore? Regardez. Comment on s'ennuie pour la pêche? Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, c'est partout. Je vais sortir. Et vous voulez pas faire une barrière, là, les garder pour vous? Alain sortira de ses filets 17 lamproies, une pêche exceptionnelle qui me permettra de réaliser une recette emblématique de la région, la lamproie à la bordelaise. Eh ben maintenant, le plus difficile commence. Il va falloir que je rapporte là, ça à la maison. Elles sont enfermées. Oh là. Ouais, elles sont enfermées, mais vous n'avez pas vu ma voiture. Hein. C'est pas un camion réfrigéré. Hein. Ah. Allez. Il fallait aussi une force préhistorique hein, pour soulever ça. Je compte sur vous pour le banquet. D'accord. Salut, merci. C'est un peu le cas d'empoisonner, hein. Et la prochaine fois, elle la prendra surgelée, Joël, hein, c'est l'emprunt, hein. Aïe, aïe, aïe. Et là, on fait quoi, là? Dans le coffre, non. On va faire siège du passager. Hop. Système D. Pas mal, ça. Allez, ouf. Et ben voilà, on n'est pas bien, là. Bon, maintenant qu'on a la matière première, le poisson vampire, on va se rendre chez nos cuisiniers, Joël et Pierre Gauthier, qui habitent un petit village de l'Entre-deux-Mers. Mais avant ça, on va passer chez leurs voisins, Francine et Francette Cazemajou, pour prendre quelques poireaux, parce que dans cette recette, il y a trois ingrédients principaux, la lamproie évidemment, le poireau et le vin rouge. Ça tombe bien, on est un peu dans une région viticole. Bonjour Francette. Bonjour Julie. Eh, vous êtes au potager par tous les temps, vous, hein? C'est ça, la campagne. Ça va? Ça va. Bonjour Francis. Bonjour. Finalement, j'ai l'impression, comme d'habitude, que chacun a sa recette. Mais voilà. Au moins, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord dans le coin, c'est la lamproie, le vin rouge et les poireaux. Et après, on a tous un petit truc, quoi. Et moi, à la fin de ma sauce, tout ça, je mets un peu de chocolat pour adoucir la civet, sauce. comme un civet, tout à fait, oui. Voilà. Chacun a sa recette. Bon, en tout cas, il faut démarrer par les poireaux. Alors, vas-y. Donc, moi, je prends les plus gros, là. Allez, j'y vais. Ah, Francis. Qu'est-ce que tu fais dans mon champ de poireaux, là? Ben, comme d'habitude, je viens m'approvisionner. C'est mes copains. Alors, eh ben tiens, tu vas bien? Il n'y a pas de bonne cuisine sans mon produit. Hein. Oui, tu me connais, c'est que moi je te fais que... Que du naturel. Que du naturel, ouais. Alors pour une lamproie, là j'ai deux lamproies, il m'en faut plus, non? Non, pour deux lamproies, il en faut plus, il en faut au moins le double. Bon, ouais. Alors on continue. Est-ce que je peux y aller? Allez, on peut, voilà. Hop. Et on va faire celui d'à côté. Il y a quelques années de ça, on fait 30 ou 40 ans à peu près, les gens ils cuisinaient ça avec la baragane ou le poireau sauvage qui poussait dans les vignes, ou le poireau de vigne, tu sais, ça a plusieurs noms. Si tu veux, je vais te... Ah ben je veux bien, t'as des vignes? Je ne suis pas viticulteur, mais tu vois... C'est symbolique, c'est, quoi. Hein. C'est mes raisins de table, moi. Et dedans, tu vois, il y a toujours quelques poireaux qui poussent. Parce que bon, c'est des poireaux. Mais là, tu vois, toi, tu vois, c'est des poireaux. Alors, c'est ça, les baraganes. Baraganes. Donc vous êtes les seuls ou qui en est dans leur, mais dans c'est leur jardin? C'est-à-dire que ça pousse tout seul, ça pousse tout seul. Enfin, faut pas qu'il y ait de désherbants. Ah mais non, mais là c'est sûr qu'avec du désherbant, c'est imbouffable après. Mais tu les manges comment? Vous les mangez comment? Nous, ça, la vinaigrette, ça fait bouillir. Ah ouais? La vinaigrette avec des œufs durs. Et ça donnera beaucoup de goût, non? Ça. Oh, ça sent bon, dis donc. C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, parce que c'est à la fois très parfumeux, c'est pas fort, c'est pas tu fort, vois, non, c'est non, pas non, comme c'est un pas... oignon, justement. Non, c'est pas comme un oignon. Ce qui est amusant, c'est qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas de hasard dans la création des recettes. Non. Si on fait la lamproie au poireau, c'est parce que c'était des ingrédients de région et de saison. Voilà, c'était les premiers poireaux de la saison. Moi, je les plante toujours fin juillet, début août. Donc ils sont vraiment mûrs. Et pour qu'ils soient mûrs au mois de mars, parce que déjà, il y a un truc aussi, au mois de mars, des fois, les lamproies sont beaucoup moins chères que les premières. Parce que les premières, attends, ça douille. Alors que là, au mois de mars, on les trouve relativement abordables. En sorte d'avoir les poireaux au moment où les lamproies voilà, sont moins voilà, chères. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. C'est il y en a là-dedans, il y en a sous le béret. Allez, voilà. Je vais prendre ça, je vais retrouver mes beaux poissons là parce qu'ils m'attendent. Allez, bonne journée, à bientôt.
imagination. So I wanna give this imagery back. No, it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again. Petit carnet. Sure seems the same with a different name. Bonjour Joël. Bonjour Judy. Comment ça va? Ça va. Bah, bonne route. Bonne route et bonne pêche surtout. Hein. J'ai laissé les lamproies dans la voiture, comme ça c'est Pierre qui va s'en charger parce que ça y est, j'ai donné. Hein. Bon, maintenant on commence les choses sérieuses. Ah, ça me fait plaisir. Bonjour Pierre. Bah, Pierre, je m'y attendais. Hein. Mais je ne savais pas que vous étiez là. Bonjour Guy. Bonjour Colette. Ah, c'est trop mignon. Bonjour. Mouah. Bon, faut quand même que vous sachiez que moi, je connais un petit peu la région. On se connaît avec Pierre et Joël, mais ça aussi, c'est mes copains. Et je ne savais pas que vous seriez là. Voilà. Ça me fait plaisir. Et alors, c'est vrai que la lamproie, c'est un plat un peu d'exception. Donc, quand on la prépare, on se met à plusieurs. C'est une cuisine qu'on fait à peu près deux fois, trois fois dans l'année. C'est quand même de la grosse cuisine et on aime bien être plusieurs pour faire tous les plats. C'est donc à 5 que nous allons préparer cette fameuse lamproie. Les femmes s'occuperont des légumes. Quant à moi, direction la grange pour saigner la bête. C'était un véritable jeu contre la montre, hein, parce qu'il paraît qu'il faut les tuer vivantes. Ah oui. Elle était pas mal, celle-là. Hein. Je m'entends. Faut les saigner vivantes. Ah, voilà, c'est magnifique. Il y a du matos, là. Il y en a 3 ou 4. Et faites attention, hein, ça ventouse. Hein. Non, mais ça... Ah, mais je connais. Ouais, je sais, je vous charrie. Et Guy, vous êtes mon héros. Hein. Mettre le doigt là-dedans, mais jamais de la vie pour moi. C'est quoi, c'est de l'eau bouillante? De l'eau chaude, oui, en fait, assez chaude, en principe. Ah, c'est pour les peler. Voilà, comme ça, après, on peut les peler. Mais ça les tue aussi. Ça les tue aussi. On est d'accord, il n'y a pas d'écailles. Hein. Ah non. Donc qu'est-ce qu'on retire? C'est une espèce de pellicule. Non, une espèce, ils appellent ça du limon. Et chaque année, vous cuisinez la lamproie. Oui, c'est bon en conserve. Donc on peut en garder. Vous avez comme les confitures toutes les années dans la cave. Voilà. Et ça se mange. Et ça se conserve, ça se garde. Ah non, ça peut se garder plusieurs années. On met du vin de manière à ce que le sang ne coagule pas. Ah oui, c'est comme pour le coq au vin d'ailleurs. Oui, mais c'est une sauce, voilà. C'est une sauce au vin. Il faudra une dizaine de minutes pour récupérer le sang de la lamproie. Elle est ensuite lavée, vidée et tronçonnée avant d'être enfin cuisinée. Un travail de garçon dont la tradition se perpétue depuis des générations. Hop, pardon. Et voilà, ça y est, on a l'animal découpé par nos soins. Bon, alors maintenant, c'est les filles qui travaillent. Nous, on a cuisiné les poireaux, on les a coupés. On les a mis à frire dans ce faitout. C'est des gros tronçons, on les émince pas. Oui, d'accord. Oui. On a mis du vin aussi à chauffer parce qu'il va falloir le flamber. Donc il faut un vin assez jeune. Hein. Voilà, un vin jeune qui ait beaucoup de matière, hein, qui soit bien, un peu corsé, bien charnu. Ouais. Et le seul fait de faire mijoter, ça suffirait pas à enlever l'alcool? Ah non, voilà. Non. Et c'est embêtant s'il reste de l'alcool dans la sauce? Moi, personnellement, je m'en plaindrais pas. Je n'osais pas le dire. Toujours pareil, on fait ça parce que c'est une tradition, on l'a vu faire et on perpétue. Voilà. Quoi. Mais est-ce qu'on fait bien? On n'est pas certain. Quoi. Bon, pendant ce temps-là, je vais voir ce que fait Colette. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Colette, là? J'ai salé des deux côtés. Et quand ça sera cuit, on goûtera la sauce, voir si elle est assez assaisonnée ou pas. D'accord, et on rajoutera éventuellement du sel. On ajoutera. Ça fait combien de temps que vous cuisinez la lamproie? 10, 12 ans peut-être. Ah, pas plus que ça? Non. Donc 10, c'est assez ans. Récent. Oui. Et oui, pourquoi oui. Vous y êtes mis alors que vous n'aimez pas ça? Parce qu'il adore. Ah, il, c'est Guy. Voilà, il me ferait plaisir si tu faisais de la lamproie. Moi, je l'adore. Il m'a tellement bassiné. Voilà, que j'ai réussi à en faire. Et maintenant, j'adore celui. Ah, mais vous adorez la préparer ou la manger? Non, la préparer. Ah, toujours pas la manger. Mais la vous préparer. Mangez le poireau quand même? Oui, la sauce. Ah, j'adore la sauce. Oui. Eh bien, vous voyez j'adore comme la quoi. Sauce. Ça, c'est une belle preuve d'amour. Mais oui. Ah, ça y est, c'est fini? Une fois l'alcool du vin évaporé, Pierre va recouvrir les poireaux et laisser cuire une bonne heure. Là, vous allez en prendre plein les naseaux. Avant d'intégrer les lamproies, qui devront à leur tour mijoter pendant 45 minutes. Et après, je vais vous expliquer un petit truc en plus de Colette. Et le truc de Colette, c'est un hachis maison, bien sûr, qu'elle va intégrer au plat en fin de cuisson. Dans son hachis, elle met un peu d'ail et puis du lard. Et le foie de la lamproie. Oui. D'accord, du lard gras, donc que le blanc. Que le blanc, voilà. Et le foie. Elle a déjà haché le lard et l'ail, parce que le foie, il faut juste un tour. Voilà. Voilà, c'est quand même un bon tour. Hein. Il y en a qui mettent des feuilles de laurier aussi. Des feuilles de laurier. Ah, dans la sauce? Oui, des feuilles de laurier, oui.
Ça devrait être vraiment répugnant, je trouve. Mais c'est ça, je vous ai dit, ce que j'adore, c'est que chacun est attaché, complet sur ses positions, attaché à sa recette, et elle est toujours meilleure que celle du voisin. Ça, c'est vrai. Après les 45 minutes de cuisson, il reste à introduire notre hachis et laisser mijoter encore une grosse demi-heure avant de rajouter le sang mélangé à un peu de vin. Une recette longue qui, en plus, ne se déguste pas tout de suite. Et tout ce qu'on a cuisiné là, ça sera pour demain. Ah, pour le banquet, ça voilà, c'est gentil. Exactement. Oui, parce que comme tous les plats au vin, d'ailleurs comme le bourguignon, voilà, on ne mange jamais le plat le jour même, il faut le réchauffer, c'est meilleur. Voilà. Mais Joël a tout prévu. Avec Colette, elles ont ouvert des bocaux de l'an passé pour goûter cette fameuse lamproie. Je goûte comme ça oui, moi je ne sais pas trop hein, si c'est vous là l'experte. Mais vous, non, mais vous verrez si c'est chaud quand même. Ah oui, c'est chaud. Pour la lamproie à la bordelaise de Colette et Joël, voilà ce qu'il vous faut. 2 lamproies, 5 kg de poireaux, 3 litres de vin rouge de l'année, 8 gousses d'ail, 100 g de lard gras, un demi-verre d'huile de tournesol, du sel et du poivre. Et voilà. Oh, c'est beau. Donc, vous voulez aimer la lamproie, Julie? Ah, mais moi, évidemment, j'aime tout ce qui est d'ici. Vous venez pour me dire le défaut qu'il y a. Il faut me le dire. Allez, Colette. Ah non, pas de l'emploi. Ah oui, c'est vrai. J'arrête. Merci. Elle est bonne, hein? Ça se mange avec des tartines grillées. Ah bon? Bon, alors voilà. Et parfois, certains mettent un peu d'ail, un petit peu d'ail. Parce que l'assaisonnement est parfait. Il y a ce goût, comme ça, un peu de noisette de la chair. C'est très subtil, hein, en goût. Et on sent bien, il y a encore bien les morceaux, elle n'est pas trop délitée. C'est vraiment un plat qui ressemble à aucun autre. Ça a beau être un civet, c'est très très loin des civets qu'on connaît. Le gibier ou... Voilà, même si ça a une ressemblance, on retrouve les notes du vin, tout ça. Mais c'est la lamproie apporte quand même une certaine douceur. Ouais, il y a un côté presque sucré. Je me fais des compliments. Elle n'est jamais mieux servie que par soi-même. Elle est très très bonne. Vous êtes la plus forte. Colette reprend goût à la vie. Vous savez quoi, Colette? Vous allez davantage l'aimer si vous goûtez le poisson. Non. Bon, merci les amis pour ce fastueux repas. C'est vraiment un morceau de la Gironde dans mon assiette, là. On est d'accord, un morceau d'histoire. Pur produit, voilà. Pur produit local. Allez, longue vie aux traditions culinaires. Entre deux mers. Me voilà revigorée. Et je vais vous dire, ça tombe bien parce que maintenant, on part à la chasse. Bonjour Bernard. Bonjour Julie. C'est vous qui êtes le propriétaire de cette belle maison? Tout à fait. Oh là, vous avez de la chance, au bord de la rivière. Alors nous, on va chasser le canard? Voilà, alors je vais vous montrer mon petit bétail. Bernard est vraiment un chasseur passionné. Il va jusqu'à élever ses propres canards pour chasser les canards sauvages. Alors là, qu'est-ce que vous avez mis dans les puisettes? On a un couple de sarcelles, c'est des mâles. Ils sont belles, hein? Enfin, ils sont ça, c'est des femelles. Ils sont pas mangés, ceux-là. Hein. Ce sont des appâts, en fait. Des appelants. Ah, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors, vous le tenez, là. Je le tiens par ou pas? Mais je vais pas lui faire mal? Non, mais... vous inquiétez pas. Par les ailes, comme ça, là? C'est la première fois que je pêche des oiseaux, dites donc. Allez, puisette. La chasse à la thône est une tradition en Gironde où les canards passent lors de leur migration. Bernard me propose de découvrir cette étrange cabane, autrefois un simple tonneau de vin où l'on se cachait, d'où le nom de chasse à la thône. En route. Bon, alors je monte de l'autre côté, hein. Ceinture. Ça y est, on est arrivé? Ça y est. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous venez chasser avec nous? Oui. On passe par-dessus, partout. Aïe, aïe, aïe. Bonjour. Salut, bonjour. Salut, vous ne devez pas vous ennuyer la nuit dans la thône, tous les quatre. Quand je dis la nuit, en fait, c'est juste le soir, vous passez pas la nuit. Non, la nuit, on passe toute la nuit. La nuit, carrément. Jusqu'à 9h le matin. Allez. Première étape de cette chasse, mettre en place les appelants sur le plan d'eau. Et manque de chance, c'est moi qui m'y colle. Alors, on y va. Voilà. Hop, 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 hop.
Nickel, hein? Ça me bat comme un gant. N'ayez pas peur si vous glissez un peu, mais les bottes vont vous tenir. D'accord. Ah oui, ouh là là, oui. Wouhou! J'ai l'impression de marcher sur du coton un peu. Donc, je vais vous en passer allons-y. Un et vous allez l'attacher. D'accord. Je le tiens. Ouais. L'épingle. Et vous le passez comme ça là dans le petit trou. Ah, il y a un petit trou à la bague. Comme d'accord. Ça. Voilà. En fait, le but, c'est que ça s'ouvre ça pas. Ça y est, on y est. Voilà, le premier est attaché. Oh, mon petit loulou, mais vous allez le laisser là toute la nuit. Regardez, il veut partir. Mais c'est sa vie. Et on en a combien à faire comme ça? Un bon paquet. D'accord. Après une petite heure d'installation, le dispositif est en place. En fait, les femelles, séparées de leurs mâles, vont chanter pour les appeler, attirant du même coup les canards sauvages qui, espérons-le, passeront cette nuit. Il ne reste qu'à se cacher dans la tôle et attendre. On va se réchauffer parce qu'il fait un froid de... Canard. Bon, eh bien voilà, c'est la jolie que nous habitons. Ah, là, voilà cette cabane. Voilà. Cette garçonnière. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ce sont les fenêtres? Alors, ça, c'est les visées qu'on les appelle. Les fenêtres de tir. Voilà, les visées. C'est à partir de ça que l'on regarde. Ah oui. Comment est-ce qu'on porte nos appelants dehors? Il fait nuit. Et on y fait la cuisine. Parce qu'on peut aussi manger quand même. Voilà, là, l'autre côté, c'est la partie cuisine. À l'intérieur, tout le confort et l'espace d'un deux pièces cuisine. Il faut dire que nos chasseurs passent plus de temps à discuter, à cuisiner et à attendre qu'à tirer des canards. D'ailleurs, c'est tellement bon que le pâté de sanglier... Il n'y a plus rien. Hein. Ah ben il ouais. a été sifflé, le foie gras, ouais. il n'est pas loin non plus. Hein. Non, mais... Ça marche. Va voir. Vas-y, je peux aller voir? Oui. Sarcelle de poser. Tu la vois? Oui. À la clarté là-bas. On va la tirer. Et puis là, attention à ton bouche des oreilles. Ça ah bon? Oui, un petit peu. Oui, t'as tiré. Ouais, je crois que je l'ai eu. T'as une quoi dans le noir là, comme ça? Une sarcelle, c'est une petite sarcelle. On va y envoyer François la chercher. Tu vois François où tu veux? C'est toujours la même histoire en fait. Le problème, c'est ça, c'est que vous aimez bien chasser, mais il n'y a personne pour aller le chercher. Hein. Cet animal. Ah, le canard Bernard. Ah, il a eu. Ah, ouais. Vous êtes ça. Je me souviens. Ça me fait toujours un peu de peine, mais enfin en même temps, je suis contente pour vous quand même. Hein. C'est un canard qui vient de très loin. Celle-ci est rouillée, celle-ci est passée par les sables. Voilà. Et ça veut dire qu'elle vient de loin. Et un canard comme ça, mais 10 heures pour traverser la France. Eh ben, tout ça pour se prendre un coup de fusil. Mais, hein, si elle avait su, elle serait restée chez elle. Hein. Oui, mais elle va faire un silence. Moi, je vais leur écrire des cartes postales. Je vais leur dire, restez chez vous. Elle va faire honneur à la table. Tu as raison. On peut leur dire. Ouais. Là, effectivement, du coup, je vais changer d'avis. Un petit confit, ça va faire du bien. Hop. Allez, on se partage. Parce qu'il fait faim. Pas pour tout le monde, les gars. Hop. On a bien compris. Ça sent bon, hein. Attention, hein. Un tel morceau de bravoure, il faut le couper avec un vrai couteau. Hein. Je vous laisse piocher avec vos fourchettes. Un confit plus tard, il est l'heure pour moi de rentrer, laissant à mes amis le soin de fournir notre table du lendemain en canard sauvage. Vous m'avez gâté, hein. Ça, c'est l'art de vivre en Gironde, alors. Ah oui. C'est un peu le moment où on parle l'art de bien vivre. C'est quand même meilleur quand on l'a fait soi-même, hein. Ah oui. Ou quand c'est les copains qui l'ont fait. Ah oui, aussi. C'est encore mieux. Je termine ma bouchée. Excellent. Bon, les garçons, je suis désolée, mais moi, je vais peut-être pas rester toute la nuit, parce que demain, j'ai encore un gros programme. Ah. Si vous arrivez à avoir ce canard, en plus, on va le cuisiner. Une petite recette locale à la broche. Je pense que vous n'allez pas le regretter en le dégustant. Donc, je sais pas si ça vous motive, mais moi, ça me motive. Je compte sur vous, les gars. Le canard d'un bête somme, des Gironde pour y arriver. Je suis sûre. Et de toute façon, je vais vous dire, il nous restera toujours le confit. Hein. Et il est excellent. Ça devrait aller. Un monument. Et nous voilà à Saint-Émilion.
On ne pouvait pas sillonner la région sans passer visiter ce fleuron d'architecture médiévale. L'histoire de Saint-Émilion commence au 8e siècle avec un pèlerin breton qui, passant par là, a choisi cette région pour s'installer. Il s'est installé dans une grotte, évidemment, à l'époque. Et puis, il a réussi à fédérer quelques fidèles. Et ensemble, ils ont commencé la construction d'une église, puis de la ville. La particularité de la ville, c'est qu'elle a été entièrement construite avec des pierres, les fameuses pierres calcaires, puisqu'on est situé ici sur une roche calcaire, qui ont été extraites du sous-sol. Et donc, en dessous de Saint-Émilion, il y a une espèce de dédale de galeries qui sont devenues par la suite des caves à vin. Évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas pensé que ce serait propice à la conservation du vin. Et pourtant, ce sont les conditions hygrométriques parfaites. Vous voyez comme quoi la nature est bien faite. Alors, quand on vient à Saint-Émilion, il faut visiter la ville en général, en particulier le cloître, le clocher, l'église monolithe et emprunter les tertres. Les tertres, ce sont des ruelles très pentues, pavées, dont l'histoire est assez amusante puisque les pavés viennent d'Angleterre. Figurez-vous qu'au sortir du Moyen-Âge, quand la région, l'Aquitaine, était sous domination anglaise, eh bien les Anglais venaient chercher du vin, ils venaient en bateau évidemment, ils apportaient des pierres pour charger, pour lester leurs navires dans les cales, ils déposaient les pierres ici qui ont été utilisées pour paver les ruelles et ils repartaient avec des tonneaux de ce bon vin de Bordeaux, le clairet comme on l'appelait à l'époque. Bon, nous on va attendre un petit peu avant de parler vin et pour l'instant on va s'intéresser à l'architecture et je vais retrouver Marion qui est guide du patrimoine, qui connaît particulièrement bien Saint-Émilion et qui va m'expliquer un peu les secrets de cette ville et notamment de l'église monolithe. Bonjour Marion. Bonjour Julie. Bienvenue. Alors là, voilà la fameuse église. Eh oui, voilà cette fameuse église monolithe. Ouais, ouais. Monolithe, ça veut dire qu'elle est construite dans une seule pierre, un seul bloc de pierre? Alors justement, pas construite, elle a été taillée, hein, creusée, ah oui, dans creusée, un seul bloc de pierre calcaire. Troglodytique en quelque sorte. Troglodytique pour être adaptée aussi pour décrire cette église, tout à fait. Ouais. Elle a été creusée à la fin du 11e, début du 12e siècle, visiblement d'inspiration des églises orientales. Ah, d'accord. Voilà. On peut la visiter? Oui, bien sûr. Allez, on y va? C'est parti. Attention. Voilà l'église en elle-même. C'est gigantesque. Alors, elle fait 38 mètres de longueur, 20 mètres de largeur et 11 mètres de hauteur sous voûte. C'est étonnant de voir une si grande église, qu'elle soit creusée ou construite, pour un si petit village, parce qu'aussi joli soit-il, ça reste un petit village. Effectivement, ce qui impressionne, c'est la dimension, alors ce qui en fait d'ailleurs, à l'heure actuelle, la plus grande église souterraine médiévale d'Europe. Et il faut savoir que Saint-Émilion, à l'époque médiévale, était un village beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Il y avait à peu près 12 000 habitants à cette époque-là. À l'heure actuelle, sur cette même surface, il y a à peine 200 habitants. Oui, donc, ce qui c'était explique un aussi... très important de la région. Exactement. Et là, vous êtes en travaux? Alors, ce ne sont pas des travaux actuels, ce sont des structures métalliques qui ont été installées il y a 11 ans, entre 2000 et 2001, qui permettent de consolider l'église, puisqu'il y a une très forte pression, notamment, qui vient du dessus avec le clocher. Pas oublier qu'il y a ah, le clocher. Le clocher est juste au-dessus. Il est juste au-dessus de nos têtes et il pèse quand même 4500 tonnes. Sans ces structures, l'effondrement du clocher détruirait non seulement l'église, mais pourrait bien entraîner la perte du village tout entier, car construit sur des galeries, Saint-Émilion s'écroulerait vraisemblablement à cause de l'onde de choc, comme un château de cartes. Mais à Saint-Émilion, il n'y a pas que des vieilles pierres. On y vient aussi de très loin pour goûter une spécialité renommée, les macarons. Alors les macarons, on en trouve un peu partout en France. C'est vrai que beaucoup de villes revendiquent les macarons comme spécialité. Ici, la recette est très simple, c'est pour ça qu'elle est bonne justement. Ce sont les Ursulines qui, les premières ici au XVIIe siècle, auraient cuisiné ces macarons. Alors on en trouve un peu partout dans les pâtisseries, évidemment, c'est la spécialité. Mais il n'y en a qu'une qui est dépositaire de la recette originaire des Ursulines, c'est celle de Nadia Frémigier et on y va tout de suite. Bien décidée à récupérer la recette des fameux macarons, j'ai donc pris rendez-vous avec Nadia. Si elle a accepté de m'ouvrir ses portes, pour le secret en revanche, ce n'est pas gagné. Bonjour mesdames. Bonjour madame. C'est une gourmande curieuse qui vient vous rendre visite. J'aimerais bien savoir ce qui fait la différence entre ces macarons-là et les autres. Pourquoi ils sont Mais si célèbres? Déjà, c'est parce que bon, c'est une très ancienne recette. Et on respecte cette recette, c'est ça qui est important. Et la recette, vous ne voulez pas la donner, bien sûr? Ben non, on ne peut pas vous la donner, c'est dommage, on aurait bien aimé, mais... D'abord, c'était Madame Blanchet, ah, sa belle-mère. Pourquoi, oui, Madame, c'est Madame Blanchet. Était l'ancienne propriétaire. Oui, voilà. D'accord. Ah, donc, ça se transmet de génération en génération dans la famille. Nous, on a eu trois générations. La grand-mère de mon mari, ma belle-mère, et puis au décès de ma belle-mère, c'est moi qui ai pris la suite. Puis, je suis restée 50 ans.
Et ça fait 4 ans, Nadia ? 5 ans. 5 ans, ouais. Déjà. 5 ans que je lui ai légué le, voilà, les pouvoirs. Mais alors, je croyais que vous étiez à la retraite, dites donc. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas vous en passer ? Non, mais de temps en temps, je viens lui faire une petite visite. Alors, racontez-moi. Donc là, vous avez des amandes douces et des amandes amères. Voilà, vous avez l'amande douce dans vos mains. L'amande douce, là ? Oui, c'est ça. Et les petites, c'est les amandes amères. Pourquoi ? Parce que l'amande amère renforce le goût de l'amande. Voilà, ça donne le goût, c'est le parfum du macaron. Donc, vous ne mettez pas d'extrait d'amande amère ? Ah non, 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 surtout pas. Et ces amandes, j'imagine qu'il faut qu'elles soient d'une certaine provenance. Vous ne les prenez pas de n'importe où ? Non, elles viennent exclusivement d'Espagne. D'Espagne, Valence. Valence, voilà. C'est les meilleures. Racontez-moi donc, on part de l'amande. Les amandes douces, brutes, les amandes amères, comme avec ça, la peau avec et la tout. Peau. On les fait tremper. On les fait tremper, voilà, pour on les fait permettre tremper d'enlever la peau, pour enlever la peau, voilà. Vous sortez, on sort la peau à la main. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit là. Voilà. Et là, voilà, là elles sont sèches. D'accord ? Elles sont sèches, d'accord. Et quand on les passe à la pileuse, si vous voulez, voilà. Ah oui, donc c'est entre la poudre et la pâte, ouais, en fait, voilà. C'est ça, hein. C'est encore, ça a encore une texture un peu poudreuse, vous pouvez goûter. Mais assez humide. Ouais. Là, il y a du sucre. Un petit peu, pour passer à la pileuse, on met un petit peu de sucre. Mmh. Pour pas que ça accroche. Il n'y a pas d'extrait d'amande amère là-dedans ? Ah non, c'est que l'amande. C'est incroyablement parfumé. Mais oui, mais c'est l'amande qui fait ça. C'est le mélange des deux amandes. Oui, le mélange des deux amandes. Ah, qu'est-ce que c'est bon, dites donc. Une partie du secret serait donc ce savant mélange d'amandes douces et d'amandes amères. Nadia prend ensuite des blancs d'œufs, du sucre, comme pour un macaron classique. Après, vous mélangez tout ça. Voilà. Et c'est là que... On n'en dira pas plus. Voilà. C'est là qu'après, vous avez la pâte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appareil. Voilà. Et ça, vous pouvez goûter. C'est super bon aussi. Donc là, c'est le produit fini avant cuisson. Là, voilà. Là, il y a tout. Oui, c'est bon. Hein, c'est bon. Ça a un goût. La pâte confectionnée reste encore le tour de main de Madame Blanchet, 50 ans de macarons au compteur. Elle me propose de façonner quelques macarons, c'est-à-dire de leur donner cette forme ronde et bombée en les sucrant avec son ustensile. Oh, oh là 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 là, la cata, la cata, la cata. Le premier, on va dire, c'est comme les crêpes. Non, hein, oui. C'est vrai que c'est pas oui, évident. Il est pas rond, il faut me l'arrondir celui-là. Il faut pas qu'il y ait ce petit truc là. Il faut repasser dessus. Il faut le faire rond, celui-là. Celui-là, il n'est pas beau. Hein. Qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir me lancer ? Ça, c'est pas si facile. Oui, ça voilà, paraît évident comme ça, mais, hein, mais dans le temps, ça ne l'est pas. C'est pas si facile. Alors, on va refaire un petit rond. Oui, ça va, allez. Oui, c'est bon. Si, ouais, si, on va vous garder. Pour les vacances, hein, vous pouvez venir. Si vous me payez en macarons, ça me va. Ah, hein. Mais d'accord. Je vais vous en faire goûter un. Ah oui, on comprend bien là, hein, parce qu'il y a un côté qui est tendre, moelleux, on dirait presque une génoise, blanc, et l'autre côté bien doré, bien croustillant. Rien qu'au bruit, on sait qu'ils sont bons. Bon, bah merci beaucoup, mesdames. Mais merci et à vous. C'est nous qui vous remercions. Eh bah oui, non, vous m'avez fait un beau cadeau. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. C'est avec le parfum des macarons et quelques boîtes de ces gâteaux que je quitte Nadia et Madame Blanchet, sans la recette malheureusement. Direction le manoir, un château situé en plein cœur de Saint-Émilion. Cette propriété possède l'une des plus belles caves du village, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai rendez-vous avec Emma, la maîtresse de maison, pour découvrir justement son gâteau de macarons. Bonjour Emma. Bonjour Judy. Bonjour. Allez-y, entrez. Merci de m'accueillir. Bienvenue au manoir. C'est très très joli cet endroit. Voilà. Alors c'est un château mais habité pour le coup. Oui, alors un château, l'appellation est un peu pompeuse. Un peu pompeuse, hein? Oui, bah, enfin, c'est le nom du vin en tout cas. Et alors vous y habitez? C'est surtout la maison de mes parents. Moi j'y viens surtout avec grand plaisir le week-end. Voilà, avec les petits garçons. Avec les enfants, c'est la demeure familiale où on se retrouve, on a plaisir à se retrouver évidemment. Pour les fêtes de famille. J'ai un papa qui aime beaucoup faire la cuisine. On se répartit un petit peu les tâches. Lui, c'est plutôt le salé, moi, c'est plutôt le sucré. C'est pour ça que je suis venue. Et je vous ai apporté les macarons, les fameux macarons de Nadia et Daniel, parce que Daniel était là. Alors, à partir de là, moi, je ne connais pas ce gâteau. Ah, bah dès qu'on dit gâteau... Oui. Dès qu'on dit... Comment tu t'appelles, chérie ? T'aimes bien faire des gâteaux avec maman, hein ? Comment tu t'appelles, mon loup ? Je t'appelle... Louis, très bien. Et alors, tu aimes ce gâteau, Louis ? On va faire une recette bien, de gâteau au chocolat qui s'appelle le Saint-Émilion. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça porte le nom du village. Voilà. C'était un gâteau que faisait alors mon arrière-grand-mère, ah oui, Jeanne Gallo. Quand même. Voilà, et après que j'ai vu faire par ma grand-mère. Et comme ça se transmet de génération en génération. Et j'ai l'impression que Louis, il va aussi le préparer bientôt. Hein. Et donc, c'est une sorte de charlotte, hein, tout simplement. Ah, et, sauf qu'on remplace les biscuits à la cuillère ou les boudoirs par les macarons. Ah bah, très bien. Avec alors, une crème au chocolat. Allez, je vous laisse vous installer. Julie, moi, je vais remonter les manches aussi. Hein. Alors, nos macarons, nous allons les imbiber avec un mélange au cognac. Bon alors Louis, tu pourras pas manger le gâteau ?
Mais si, parce que pour ça, c'est le gâteau pour les grands, mais pour les petits, on fait le même. Ah, mais sans alcool. Voilà, bon. Sans alcool. Et tu sais quoi, sûr. T'as tout gagné, t'auras un gâteau ring pour toi. Et c'est de la veine, ça. Hein. Bon, alors. Allez, on va monter notre Charlotte avec un petit pinceau qui est là. Un de plus. S'il vous plaît. Les macarons disposés dans le moule à Charlotte, Emma passe à la crème au beurre et au chocolat. On va peser. Tiens, le beurre. Il nous faut 300 g de beurre. Il est à température ambiante. Il est sorti depuis la veille. Il nous faut 250 g de sucre. Tu veux le verser, le sucre, Louis ? Très bien. Alors après, nous allons battre tout ça. Attends, je fais le début parce que... Sinon, ça va finir sur les murs. J'adore. En fait, il ne faut pas qu'il soit fondu non plus. C'est là qui est la partie délicate de la recette. Qu'il soit juste ramolli. J'ai une pommade. Oh, c'est la purée. C'est de la purée, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Une fois le beurre bien mousseux, Emma le laisse reposer le temps de mélanger 20 cl de lait avec 2 jaunes d'œufs. Une préparation qui sera intégrée plus tard au chocolat fondu. Charlotte sans alcool. Dis donc, t'aurais pas mangé un petit peu de chocolat, toi, à l'air de rien? T'as raison, il faut toujours tester la recette au fur et à mesure qu'on la prépare. À partir de là, bon, on va incorporer ce mélange dans le mélange chocolat. D'accord. Tu verses petit à petit, c'est moi qui remue. Tu crois que tu vas savoir faire la recette et puis tu vas pouvoir l'apprendre à tes enfants, à tes petits-enfants? C'est pas sûr, hein? Merci, chef. Parfait. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va incorporer ce mélange-là dans notre mélange beurre-sucre. Eh oui. Ce qui est important, c'est de respecter les températures. Sinon, ça va faire fondre le beurre, voilà. Ça va cuire le jaune. Donc, il faut que tout soit à peu près à la même température. Attention les doigts. J'arrive. Bon, là, c'est vraiment pour, tu vois, pour pas que ça goûte. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui goûte les recettes. Et alors finalement, dans cette recette, il n'y a pas grand-chose qui ait changé depuis l'époque où votre arrière-grand-mère la faisait. Alors sauf, vous allez voir, un petit tour de magie là, à la fin. Ah, c'est le vôtre. Oh. Voilà, dernier petit coup de magie. Que ne faisait pas la grand-mère. Ben non, mais si elle avait eu la possibilité de le faire. Hein. Voilà. Pour le Saint-Émilion d'Emma, il nous faut donc 3 boîtes de macarons de Saint-Émilion, environ 45 macarons, 250 g de sucre, 300 g de beurre à température ambiante, 20 cl de lait demi-écrémé, 2 jaunes d'œufs, 3 cl de cognac, 130 g de chocolat noir à 50%. Emma intègre ensuite sa crème au beurre en plusieurs couches séparées par des macarons, comme pour une charlotte. Alors on a terminé notre œuvre. Voilà, on va mettre une assiette dessus. D'accord, pour quoi? Pour pouvoir le démouler plus facilement après. Pour tasser. Ouais, pour tasser, d'accord. C'est pratique le coup de l'assiette transparente. Ah, très bonne idée, bien. Ça. Très, très bonne idée. Même mettre un poids à l'ancienne. Oh, on va prendre un moyen, ça ira. Voilà. On va filmer tout ça et on met au frais. Combien de temps au frais? Autant que vous voulez. Bon, mais quelques heures, ça suffit. Voilà, minimum 2 heures. Et après, ça peut être... on peut préparer la veille pour le lendemain. Alors, nous, on va le déguster ce soir. Mais 2 heures, ça suffit. Comme ça, je vous le laisse. Et vous pouvez nous l'apporter pour le banquet ce soir? Eh bien, très bien. Super. On fait comme ça. Merci, Emma, pour cette recette éminemment locale. Moi, je ramasse mon petit carnet et j'y vais. Salut, Louis. Au revoir. Salut, mon chéri. Je te fais un bisou. T'as été super. Super marmiton. Allez, à tout à l'heure. Pour la dernière étape de mon voyage, je ne vais pas très loin. C'est dans un château que j'ai rendez-vous, le château Cadébon. Il fait partie des 103 domaines du Saint-Émilionnais qui ouvrent leurs portes au public et dont on peut visiter les chais. Propriété de Guy et Michel Richard, le château Cadébon se trouve à la sortie du village sur la route de Libourne. Bonjour Guy. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour, ça va Julie? Oui, ça va bien. Bienvenue à Cadébon, Julie. Ah, c'est gentil. Bonjour, Julie. Oh, bonjour Michel. Comment allez-vous? Mais ça va très avec bien. Avec plaisir de vous recevoir chez vous. Moi aussi. Oh là là, il fait chaud. Je vois que le feu crépite dans la cheminée. Oh, quelle belle cuisine.
Rassurez-moi tout de suite. Est-ce alors, que les chasseurs sont passés? Est-ce qu'ils ont eu quelque chose? Mais alors, que deux canards? Ah bah c'est... Nous, on en avait tué un, mais déjà, au moins, ils en ont eu un plus dans la nuit. Plus. Alors, bon. Comme j'avais tellement peur, parce que vu le nombre on est nombreux quand même. Alors, j'en ai acheté quelques-uns. Ah, vous avez bien fait, c'est gentil. On en a deux sur combien? Sur sept. Sur sept. Donc, c'est impeccable. Donc, on en a sept à farcir? Oui. Ah oui, il y a du boulot, faut qu'on s'y mette, hein. C'est un canard farci que Michel a choisi de me faire découvrir aujourd'hui. Une vieille recette qui change du traditionnel magret ou autre canard à l'orange. Particularité, ce sont des canards sauvages, il y a donc des colverts et des sarcelles. Première étape, préparer la farce. La farce, c'est quoi? C'est de la chair à saucisse? C'est de la chair à saucisse. D'accord. Ensuite, on va prendre des œufs, des olives. Ouais. Ah, des olives. Tiens, ça, c'est pas courant dans la région. Quoique, j'ai un olivier dans mon jardin, moi, j'habite pas très loin. Vous voyez, oui. Je fais une petite mixture de pain avec la mie de pain que je mets avec du lait. Donc, un pain rassis. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que je mets là-dedans, moi? Les œufs? On va mettre les œufs. On écrase. Voilà. Ici, je vais mettre ma mie de pain avec du lait. Que la mie, hein? On ne met pas la croûte. Non, non, pas du tout. Je le laisse un tout petit peu tremper. Pendant ce temps, je vais couper mon ail. Les olives, est-ce qu'on les met entières ou est-ce qu'on les hache? Je vais les hacher avec mon ail avec et mon persil. Et vous mettez combien de gousses? J'en ai mis 3. Et on y va. Le pain, j'ai tout mis. Voici, alors pas de peau hachée. D'accord, ah oui, il faut qu'il reste des morceaux un peu. Un petit peu de morceaux, comme ça sera le goût d'olive. Mmh. Et... Hop, voilà, on est bon là, non? Je pense. Une fois terminé, on passe au garnissage. Et c'est là que l'on va voir les talents de couturière de Michel. Voilà. Oh. Impeccable. Et vous ne l'avez pas choisi par hasard, cette nappe. Hein. Hop, zou. Alors, vous allez en faire une et après, je m'en occupe. Alors, on y va. Alors, est-ce qu'on remplit vraiment au maximum ou est-ce qu'au contraire, la farce va se développer? Non. Moi, je le remplis au maximum. D'accord, d'accord. Que ce soit bien garni. Bien garni. Généreux, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut les brider? Il faut les coudre? Alors, je vais regarder si j'ai de la ficelle. Comment vous faites? Montrez-moi. Vous faites un tour au niveau du croupion, là, et après, vous revenez, d'accord. Allez, zou, on fait plusieurs tours. Sinon, une aiguille à brider, mais enfin, bon, c'est plus compliqué. Pour la cuisson, si l'on peut simplement mettre nos canards au four, il est de tradition dans le sud-ouest de les faire rôtir à la broche. Alors c'est un tourne-broche électrique. Électrique. D'accord. Voilà. Et là, on va poser nos canards. Ah oui, vous ne les embrochez pas véritablement, les serrez. Alors on va essayer de mettre d'abord le croc. Et ensuite, on va mettre les petits autour. Les petits. On va avoir assez là, de place. Allez, on va le serrer. C'est pas grave, on va le faire en micro-ondes. Non. Pas du tout. Focus, Michel, focus. Les canards enfermés dans cet appareil d'un autre siècle, il nous reste à les saler et poivrer avant de mettre tout cela à chauffer. Voilà. Donc, on va installer. Hop, alors montrez-moi. Ça m'intéresse. Allez, vous avez vraiment un foyer adapté à la broche. Voilà. Alors, au départ, on les met en haut. D'accord. Parce qu'après, il y a beaucoup de braise. Ah, c'est moins chaud en haut qu'en dessous. Et après, on va descendre. Donc la cuisson est progressive et donc c'est par étage. Par étage, c'est, voilà. On ne règle pas le four, mais on règle la broche quand même. Et on compte une heure de cuisson, une bonne heure. À peu près, oui. Et maintenant, on va mettre en route. Toc, et ça tourne. Pour les canards farcis aux olives de Michel, il nous faut 2 canards colverts vidés avec leurs abattis, 300 g de chair à saucisse, un demi-bocal d'olives vertes dénoyautées, un œuf, 4 brins de persil, 50 g de mie de pain rassis, 10 centilitres de lait, une belle gousse d'ail, une cuillerée à soupe de cognac, un peu de sel et un petit suisse. Alors Michel, est-ce qu'en attendant, je pourrais aller dans les chais pour faire une visite guidée avec Guy? Oui. Et puis, en plus, j'avais donné rendez-vous à mes amis au chais, justement. Sans problème, alors. Alors, à tout à l'heure. Je vous retrouve. C'est dans le chais de Guy que m'attendent nos amis pêcheurs, chasseurs et autres cuisiniers rencontrés lors de mon voyage. Je leur ai donné rendez-vous ici pour notre banquet qui se déroulera dans la grande cuisine de Michel. Salut Joël. Bon, alors je vois que vous êtes rentré dans le vif du sujet là, on serait pas à Saint-Émilion par hasard? Si, on attendait pour faire déguster un petit cadet-bon. Ah bah écoutez, avec plaisir. Alors, où est-ce... alors expliquez-moi. À la barrique, c'est Antoine qui va se faire le plaisir de vous faire déguster. Ouais. À la pipette, à la barrique directe.
Alors, en fait, quelle est la particularité du terroir de Saint-Émilion? Pourquoi dit-on? Pourquoi est-il célèbre dans le monde entier? Pourquoi est-il si favorable à la culture du bon vin? Parce qu'on a un terroir qui est surtout calcaire. On ça, c'est bon pour calcaire. La vigne. Oui, très bon pour la vigne. C'est le goût de minéralité qu'on va retrouver dans le verre, que je vais faire retrouver, qui est typique à Saint-Émilion. Le Saint-Émilion est un vin issu de l'assemblage de plusieurs cépages, c'est-à-dire de plusieurs types de raisins. Guy me propose de commencer la dégustation avec du merlot. Très belle concentration. Un nez de fruits. On est vraiment sur le fruit. Il y a un côté un peu cerise. Cerise, tout à fait. Cerise grillade. Cerise noire, un peu confit. C'est ce que l'on recherche. Et ça commence déjà très bien. Bon, donc on va s'arrêter à la barrique de Cabernet Franc. Vous voyez, on a un nez qui est complètement différent. C'est oui, pas la c'est même vrai, chose. C'est vrai. Et puis, vous savez, la dégustation, c'est chacun ses petites notes, ses petits goûts, ses petits parfums. Hein. Moi, j'aurais trouvé un côté un peu plus floral, peut-être. Mais un peu café aussi. Oui, oui, oui. Non, mais d'accord. Ouais. Merlot, ça, c'est la structure et là-bas, c'est le plaisir. Oui, un petit peu, c'est ça. Le merlot lui amène la finesse, cette fleur qui la est magnifique. La rondeur, la séduction. C'est en assemblant le merlot et le cabernet franc que Guy et Antoine, son maître de chais, vont créer le vin qui est un grand cru classé dans l'appellation. Un vin qui, bien sûr, trônera sur la table de notre banquet. Bon, alors, faut croire que l'attrait des canards et de la lamproie et du gâteau de Saint-Émilion a été plus fort et du coup, on est beaucoup plus nombreux que prévu. Donc voilà, on rajoute des couverts, on improvise, c'est ça qui est sympa. Installez-vous, hein, vraiment. Ah ben voilà, ben les chasseurs, faut pas leur dire deux fois de s'installer. Hein. On est bien éduqués. Nous commençons notre banquet avec la fameuse lamproie, ce poisson préhistorique pêché par Alain et dont on raffole dans la région. Allez-y, commencez, il faut pas manger froid. Hein. Je voudrais quand même qu'on remercie Michel et Guy de leur hospitalité et de leur capacité à retomber sur leurs pattes parce qu'on leur a annoncé 14 personnes, on est 19 et on est ravis d'être 19. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est surtout un plaisir. Bah, c'est gentil. Tout le monde connaît la lamproie à la bordelaise. Et tout le monde a sa recette à lui. C'est un peu ça. Qui met du chocolat, levez le doigt. Ah, bah voilà, il y en a deux. Qui met des pruneaux? Qui met des pruneaux? Non, c'est pas d'ici, hein, les pruneaux. Il y a du laurier. Non plus. Ah, vous êtes assez fidèles à la tradition, alors. C'est très bon. Et qui met des macarons? Qu'en pense le pêcheur? Alors, elle était bonne, la lamproie? Là, la proie était bonne. Ouais. Et la personne qui l'a pêchée aussi. Ah, ça, c'est sympa. Alors, ces petits oiseaux, Michel, elle est au turbin. Hein. Voilà, madame la cuisinière. Ah, ça, c'est une affaire d'homme. Hein. L'arme fatale. Là, je laisse faire, là. Eh oui, c'est plus simple hein, pour les découper, c'est ça? Je laisse faire. C'est-à-dire que si on coupe avec un couteau, on les écrase. Oui. On les abîme, du coup, on les découpe au sécateur. Que vous faites là, si vous avez mis de la crème, hein, Michel? Non, c'est des petits Suisses que je suis en train de déglacer. C'est une bonne idée, tiens. Et puis on va accompagner nos petits canards. La cuisson est parfaite, hein. Cuit mais encore rosé. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aime. Hein. Alors, pardon de vous interrompre, je demande un petit instant de silence. Je demande un petit instant. Il n'y a que Pierre, évidemment, qui parle. Pierre 2. Je demande un petit instant de silence quand même pour célébrer. Les sarcelles, alors il y a sarcelles et canards colverts, hein, c'est ça? Quelle est la différence entre la sarcelle et le canard? Je vais vous dire, je n'en sais rien. Donc, à part la taille, j'ai pu constater comme tout le monde. Alors, quelle est la différence entre la sarcelle et le canard? C'est juste c'est plus fin en goût. C'est une fille et un garçon. Voilà. Ah non. Oh là là, ça y est, le débat est lancé. Si ces messieurs veulent bien se prendre la peine de faire passer leur assiette. Vas-y, hein, attaquez les uns et les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est la première fois? Jamais. En fait, il y a, ouais, les femmes de chasseurs connaissent, et sinon... La sarcelle, on n'en trouve jamais à la chasse. Francis, alors, la sarcelle, tu connaissais? Je pensais que la sarcelle, c'était la femelle du colvert, tu vois, et je me suis fait remettre en place... Moi, je pensais que c'était une banlieue parisienne, mais comme ça, chacun sa référence, hein. Après le succès du canard parfaitement cuit par Michel, c'est au tour d'Emma de présenter son plat. Le gâteau de macarons de son arrière-grand-mère Jeanne, baptisé le Saint-Émilion. Alors Nadia, comment ils sont ces Saint-Émilion? Écoute, ils ont l'air impeccables. Hein. C'est vrai? Voilà. Oh là 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 là. Le gâteau de Saint-Émilion d'Emma et de Nadia et Daniel. Hop, messieurs, 2005. Ouh là là, ouais. Est-ce qu'il y en a qui veulent des demi-parts?
Oh, j'adore, je vous adore. C'est très bon, Emma. Hein. On n'est que dans les bons. Ah ouais, c'est très fin. C'est vrai quand on voit la quantité de sucre et de beurre, mais en fait, c'est tout léger. Ça, c'est les macarons aussi. Hein. Un nuage. Et la crème au beurre avec les macarons, ça se marie très bien. Est-ce que le gâteau met en valeur un macaron? Ah oui. Moi, je trouve. Il y a des gens qui disent que c'est un sacrilège de... cuisiner les macarons. Voilà, autre chose que des macarons, mais moi j'aime beaucoup avec le chocolat. C'est vrai, je trouve que c'est très bon. Je vous remercie tout le monde. Généreux dans l'âme, Michel et Guy clôtureront ce banquet par une gentille attention pour chacun des convives, comme le font les vignerons quand ils reçoivent. C'est cela Saint-Émilion, un pays accueillant, simple, gourmand et généreux. Eh bien nous, on va tourner une nouvelle page des carnets de Julie. J'espère que vous avez apprécié comme moi ce voyage dans le Libournais et dans l'Entre-deux-Mers. Ces pays qui me sont si chers, on va continuer de parcourir la douce France de Charles Trenet. Et puis surtout, chez vous, je compte sur vous, il faut pratiquer les recettes, les mettre en œuvre, entretenir la mémoire de ces produits et venez ici pour rencontrer ces belles âmes. Salut, à la prochaine. Michel et Guy. Et Guy, là-bas. Mais dis donc, c'est lourd ce truc-là. Il faut qu'on l'aime, la cuisine traditionnelle, quand même. Hein. Pour aller se les geler sur la Dordogne, bon, c'était beau. Hein. Et pour apporter cette espèce de bête assez spéciale. Ben, me voilà revigorée. Et je vais vous dire, ça tombe bien, parce que maintenant, on part à la pêche. À la chasse.